Bonjour à tous chers familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'aurais dû faire cette vidéo, et bien là voilà, comment percevoir l'aura, comment percevoir cette énergie que nous dégageons. Il y a des anneaux de couleur qu'on peut voir, pas dans n'importe quelle condition, on va en parler. Et ça permet de connaître la personnalité de la personne que vous avez en face de vous. On peut même savoir si elle a des maladies et ou même où elle en est dans ses stades de vie. Ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, mais déjà, comment voir l'aura, c'est déjà fantastique. Alors, il y a différentes étapes et nous allons les lister ensemble. Déjà, j'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible et sa version poche, l'énergie invisible du corps. Nous ne sommes pas faits que d'un corps physique, nous avons aussi un corps énergétique avec des tas de couches différentes autour. Il y a des couches très 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 subtiles, vraiment à la périphérie de notre aura que personne ne peut voir, mais il y a la première couche qui s'appelle le corps éthérique qu'on peut voir assez facilement. Donc ça, ce sera la première étape. Si vous y arrivez déjà, ce sera super. On va en parler et une fois que ça, on arrive à le faire, eh bien, nous allons pouvoir voir au moins un anneau de couleur, voire deux, trois, si vraiment, vraiment vous êtes fin dans votre vision, mais on va dire un ou deux anneaux de couleur qui vont donc donner la personnalité de la personne qui rayonne cette aura-là. Voilà. Alors, déjà, pour percevoir l'invisible, on va commencer par le corps éthérique. Mais même pour l'aura, il faut être en état modifié de conscience. On ne peut pas percevoir l'invisible quand on est dans le mental. Donc si vous êtes trop dans faut que j'arrive, vous n'y arriverez pas. L'état modifié de conscience est un état de lâcher prise extrême. Au niveau des ondes cérébrales, ça s'appelle les ondes alpha. Donc je vais vous montrer comment avoir cet état modifié de conscience. Vous le connaissez tous. C'est en général quand je suis en train de le faire là, c'est quand on regarde dans le vague sans faire le focus. C'est un état extrême de lâcher prise. Alors, première chose, faire l'état modifié de conscience pour pouvoir voir l'invisible. Deuxième chose, vous allez devoir formuler une intention, c'est-à-dire vous allez devoir dire dans votre tête: je demande à voir le corps éthérique. On va commencer par ça parce que c'est le plus facile à voir. Et après, une fois que vous arriverez à voir le corps éthérique, vous direz dans votre tête: je demande à percevoir l'aura de telle ou telle personne. Si on ne formule pas d'intention, c'est comme si vous branchiez pas sur un canal pour écouter la radio. À un moment, pour entendre une fréquence particulière, encore faut-il se mettre sur le canal. Donc, formulez l'intention: je demande à voir le corps éthérique ou l'aura. Maintenant, attention, le cerveau corrige. Donc, je vais vous montrer ce qu'on est censé voir, mais il faut que vous compreniez que tant que vous n'aurez pas éduqué votre cerveau à voir quelque chose de subtil, il ne le verra pas parce qu'il corrige. Une fois que vous l'avez vu, vous le verrez une fois pour toutes. C'est comme le vélo. Une fois qu'on sait faire du vélo, on sait le faire une fois pour toutes. Mais il va falloir pour la première fois que vous appreniez à votre cerveau à percevoir quelque chose qu'il n'a jamais perçu. Alors, pour vous prouver que le cerveau corrige, pouvez-vous lire ceci? Eh bien, j'imagine que 99% d'entre vous peuvent le lire, alors que si vous regardez bien en détail, c'est totalement illisible. Pourquoi est-ce qu'on peut lire ceci? Eh bien, tout simplement parce que notre cerveau a besoin du début et de la fin du mot et il se débrouille avec ce qu'il y a au milieu. Eh bien, c'est pareil quand on va percevoir l'aura. Il va percevoir le début, à savoir mon corps physique, il va percevoir la fin de la scène, à savoir le décor, et il s'en fout de ce qui est en milieu. Il fait la correction tout seul. Donc de lui-même, il va dire: bon, il n'y a rien de spécial, voilà. Donc vous, justement, le corps éthérique ou l'aura, c'est le milieu. Donc on doit lui apprendre qu'est-ce qu'on est censé voir. Alors, pour voir le corps éthérique, déjà, vous allez mettre vos pieds bien à plat, vous allez frotter vos mains. Vous allez mettre votre main sur. Alors, moi, ça tombe bien, mon sol, il est couleur un peu planche de bois, très clair. Il faut que vous ayez une surface qui soit unie.
Si vous mettez sur des tas de trucs chamarrés, si vous mettez votre main où on voit en dessous des tas de trucs chamarrés, vous verrez rien du tout. Et donc, vous mettez votre main à peu près à 15-20 cm de vous et vous allez vous mettre en état modifié de conscience. Donc, vous vous souvenez, vous lâchez le regard et vous regardez entre vos doigts. Et entre vos doigts, vous allez vous mettre à percevoir un peu comme quand on regarde le bitume quand il fait chaud en été, on voit des émanations comme de l'évaporation, comme de l'essence qui s'évapore. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient trouble. Et on a l'impression de voir une sorte de fumée. Ben, c'est exactement ça. Normalement, vous devriez voir trouble comme quand on regarde le bitume quand il fait chaud. Et si vous regardez bien, eh bien, vous allez avoir aussi des espèces de volutes de fumée blanc grisâtre. Donc ça, première étape. Tant que vous ne voyez pas ça, ça sert à rien de passer à l'étape d'après. Ça, c'est voir le corps éthérique. Une fois que vous arrivez à le voir sur vos mains, vous allez focaliser sur une personne que vous allez mettre sur un fond uni, encore une fois. Et vous allez regarder à peu près à 5-10 cm de l'épaule de cette personne. Et pareil, vous devez voir cette espèce d'émanation qui ressemble un peu à du pétrole, hein, qui est en train de s'évaporer, qui ressemble au bitume quand il fait chaud. L'aura, en fait, tout émane une énergie, y compris les objets inertes. Donc vous êtes capable de voir ça sur votre animal préféré et même sur un livre ou sur n'importe quoi. D'accord? Ça, c'est l'émanation énergétique de la matière. C'est qu'est-ce, la signature énergétique de la matière. Ça, c'est le corps éthérique. Maintenant, quand vous aurez passé cette étape, on va apprendre à voir l'aura. Étape préalable pour apprendre à voir l'aura, vous allez devoir allumer une bougie et est-ce qu'on la voit là, la lumière de ma bougie? Vous allez devoir allumer une bougie et vous mettre quasi dans la pénombre, même carrément dans le noir. En fait, quand on est dans le noir, vous allez bien évidemment voir la flamme de la bougie. Vous allez bien évidemment voir le halo jaune qu'elle dégage. Donc ça, le halo jaune, ça peut s'apparenter à ce que j'appelle le corps éthérique, c'est ce qu'on vient d'apprendre à voir. Et puis, si vous êtes dans le noir, tout là-bas, au fond, il y a du noir total. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la bougie ne passe pas du halo jaune au noir total. Il y a par là des photons dispersés où c'est ni du noir, ni le halo jaune très flagrant de la bougie. Eh bien, l'aura, c'est ça. C'est-à-dire que tant que vous ne vous serez pas entraîné à percevoir ce jaune mélangé à du noir, des petits photons dispersés qui bougent, c'est à peu près, c'est ça, à peu près à 15-20 cm de la bougie, tant que votre cerveau n'a pas compris qu'il voit quelque chose et que ce qu'il voit n'est ni le jaune flagrant du halo, ni le noir, oups, flagrant qu'il y a là-bas, eh bien, vous ne verrez pas l'aura. Donc vous devez apprendre vraiment à percevoir ce qu'il y a à 15-20 cm. Ensuite, du coup, une fois que vous arriverez à percevoir à 15-20 cm, eh bien voilà les astuces pour voir l'aura en vrai. Donc, première chose, vous allez vous mettre quasiment dans la pénombre parce que ben, de la même manière qu'on ne peut pas voir le halo de photons dispersés dont je vous parle ici, pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'il y a trop de lumière et que du coup la lumière est beaucoup plus puissante que le halo en question, donc il faut que vous vous mettiez dans le noir. Et bien, c'est la même chose pour percevoir l'aura d'une personne, vous devez vous mettre quasiment dans la pénombre et vous allez mettre cette personne contre, si possible, un mur uni, si possible relativement clair, et vous allez vous mettre en état modifié de conscience
Et le mieux pour voir la personne, donc il faut ce halo, c'est comme ce que je vous expliquais, hein, le corps éthérique, c'est comme le halo jaune de la bougie, c'est très proche, donc là vous allez percevoir la partie grisâtre, et il faut se mettre quand même à peu près à 15-20 cm. Donc en général, ce que je vous invite à faire, c'est comme à 15-20 cm, ça suit le corps, ça va descendre comme ça, et après il y a les épaules, ça suit comme ça. Il y a, on va dire, à cet endroit-là, à peu près au niveau de vos yeux et de votre bouche, à 20 cm, le croisement entre ce qui descend là et ce qui remonte là. Donc, il y a deux fois plus, on va dire, de photons dispersés à ces endroits-là. Donc, vous allez mettre la personne contre quelque chose d'uni et vous regardez soit là, en état modifié de conscience, à cet endroit-là. Et donc là, eh bien, vous allez percevoir une couleur qui n'est pas l'uni, on va dire, hein, le noir que vous allez voir plus loin. Alors, les couleurs, je vous donnerai leur interprétation dans un autre YouTube. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir, il y a deux façons de voir. Si vous n'arrivez pas à percevoir quelque chose de flagrant, vous pouvez, une fois que vous avez suffisamment focalisé à cet endroit, fermer les yeux et voir à travers vos yeux fermés quelle est la couleur que vous avez dans votre rétine. Ça s'appelle la persistance rétinienne. C'est-à-dire que si vous regardez la bougie de face et que vous fermez les yeux, vous aurez encore la vision de la flamme et du halo jaune. Ben oui, parce que la rétine, c'est comme un appareil photographique, ça se photocopie sur votre rétine, dans votre œil, et ça reste un petit moment, après ça disparaît. Donc, si vous pensez ne pas avoir perçu en regardant avec vos yeux ouverts, vous allez fermer les yeux et vous allez analyser la couleur que vous voyez à travers vos yeux fermés. En général, c'est juste, d'accord ? Maintenant, si malgré la persistance rétinienne, vous ne voyez pas de couleur, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder différentes couleurs et d'apprendre quelles sensations cela provoque en vous. Par exemple, si vous regardez du vert, vous avez la sensation d'apaisement. En tout cas, c'est mon cas. Quand je regarde du bleu, j'ai une sensation de propreté et d'air frais. Quand je regarde du rouge, j'ai une sensation de tonicité. Quand je regarde du jaune, j'ai une sensation de rayonnement. Eh bien, alors ça, c'est mes protocoles à moi. Peut-être que vous, ça ne vous fera pas la même sensation. Ce qui est important, c'est que vous regardiez des couleurs et que vous appreniez émotionnellement et physiquement qu'est-ce que ça vous fait. Eh bien, vous verrez que quand on regarde l'aura d'une personne, vous allez instinctivement ressentir la sensation et ce sera la sensation de la couleur en question. Donc, trois astuces pour voir l'aura. On regarde en vrai ici et on vérifie les photons dispersés qui, je vous le rappelle, sont les mêmes que les photons dispersés de votre bougie. Et vous allez voir une couleur. On va interpréter les couleurs dans la prochaine vidéo. Où on ferme les yeux et on voit qu'est-ce qu'on a à travers nos yeux fermés, donc la couleur qui persiste dans la persistance rétinienne, où on peut apprendre à appeler la sensation d'une couleur. Voilà, je vous souhaite des bons devoirs, un bon travail perso sur vous-même pour percevoir l'invisible. Vous allez voir, quand on y arrive, c'est génial. Après, c'est intrusif, donc je dirais que, bien sûr, on ne s'amuse pas à faire ça sur les gens à tout bout de champ, hein. C'est comme si vous scrutiez une personne pour voir ses défauts, c'est quelque chose qui n'est pas poli, on ne fait pas ça comme ça. Donc on va dire, bien sûr, il faut l'accord de la personne pour le faire, et c'est pas un jeu, mais voilà, ça, je veux que vous preniez conscience que c'est intrusif, hein. Donc c'est comme dévisager une personne, voilà. Parce que vous allez apprendre plein de choses sur elle, puisque les couleurs de l'aura disent des tas de choses sur la personne. Donc, ayez du respect quand vous le faites. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo de comment interpréter les couleurs de l'aura. Merci, bonne journée à vous, je vous aime, je nous aime.